Sergent Le Balafre. Présent, mon capitaine. Avez-vous de l'argent pour acheter de quoi faire manger nos hommes? Dis donc, La Fleur, toi, notre trésorier. La Fleur, trésorier? Mais il ne sait pas lire. Mais les autres non plus. Que reste-t-il en caisse? 100 livres. On assigna. C'est très simple. Faisons un camp au Saint-Hubert. La soupe sera maigre. Tant pis pour l'estomac. Le cœur reste solide. Le cœur reste joyeux. Le cœur. Et j'ai raison.
souffre autant que vous. On le sait, aussi pas de nous qui ne se mettrait de vous donner sa vie. En attendant, il faut que je trouve de quoi vous bien réconforter. Merci. Qui donc habite là ?
C'est de ma fille de Paul, ainsi que ses deux fils. Sous-ce de braves gens, bien que des ci-devant. Un seul est bien aimé, le plus jeune, monsieur Georges, comme on l'appelle ici. Georges, le petit nom de mon pauvre défunt, le brave sergent Thémistocle de la quatrième du 2. Tu ne l'as pas connu, c'était un fier luron. Et quoi? Pas une femme dans toute la caserne. C'est un ange des cieux. Voici monsieur Georges, il ne faut plus parler. Voyez-vous ce trembleur? Salut, fraternité! Bonjour, l'ami Mandiel. Autant bons envoyés sans t'avoir crié bien. Je vous savais ici, soyez les bienvenus. C'est vrai, tu es gentil. Mais comment savais-tu qu'on bivouaquait chez toi? Et
Thank you.
c'est que ça? Mortel, c'est une femme! Lâche donc ton physique, l'enfant, et fais-moi ça! Mais j'ai pas la berlue, c'est la brave fillette qui nous a si bien accueillis. Je vais lui faire prendre un peu d'eau de vie. Eh bien, Marion! Viens, elle ouvre les yeux. Ah ben, quoi, ma petite, qu'est-ce donc qui se passe? On m'a chassée, on t'a chassée, t'es folle. Et monsieur Georges, il est parti pour se faire soldat. Thank you.
Je suis bien heureux.
Je me perds dans ma lettre, sous cassé au jet.
Vous avez fait votre devoir. La Convention vous remercie. Ouvrez le banc. Officier restant dans votre compagnie, portez à l'ordre, blessé trois fois, vous êtes lieutenant. Fermez le avait franchi la brèche lorsque l'on prit Cholet, chantant le saillant sous la grêle des balles. Je vous donne un fusil d'honneur au champ. Ta carriole avait été brisée, ta corde une voiture avec un bourricot. Capitaine Bernard, tu répondras au général Hoche que je garde mon grisonneur à fêter mon camarade qui Oh.
ce jour on doit des bouquets à sa chère et mignonne amie. Je suis toute ravie. Fanatique, assis devant de rien.
bien sûr. C'est le mot qu'on disait. Décidément, tu vieillis. Tu m'as...
m'a prise au sérieux et fléchit donc en bleu. On ne peut s'en aller au moment de combat pour un brin d'amourette. Et Georges m'en voudrait, il y peut gagner l'épaulette. C'est eux qui commandent là-bas. Quel est le chef qui fendait là? Ci devant, marquis de Rieul, un vieux fou qui tient la campagne depuis quelques jours seulement. Je ne sais d'où il vient, c'est notre dernier adversaire. Il prolonge la lutte, il va payer pour tout. Georges de Rieul, le fils de ce vieux fou. Son père l'a chassé, rejeté, renié, quand il s'est engagé sans te livrer son nom. Georges l'aime toujours, le parle sans cesse. Il ne sait rien encore, car il vient d'arriver. Mais il suffit d'un mot pour le désespérer. Thank you.
veux-tu, c'est la consigne. Il n'a pas à répliquer, mais moquer un combat, la vraie t'as pas de chance. Voici l'ordre, sergent. Oui, capitaine. Eh bien, Oh,
Devant de rien.
Thank you.
Sur le verger.
ciel. Hier, pour le combat, je n'engageais que moi. Aujourd'hui, Marion, tu n'avais pas le droit d'agir comme tu fis. Il était un chef, c'était notre ennemi. Il était prisonnier, il m'était confié. Je devais le garder jusqu'à son jugement. C'est un délire, sa mort. Est-ce tout pour en venir là? Du monté au pas de charge sur la canonnade à Valmy. Que l'on a pris de fleurs au galop de chevaux, que l'on a fait de feu en défendant Mayence. Que le temps, nous l'avions messonné, des tombeaux, des torrents, des guémeaux, pour la fière de base prince, on y demande le folie. Vive la nation!